Moi, ce qui me rend fière, c'est que dans un centre socioculturel, quand vous poussez la porte, vous êtes vraiment considéré comme un citoyen à part entière. C'est vraiment le partage, par exemple, parce qu'il y a diverses nationalités. Donc ça va être le partage par le biais d'ateliers de cuisine, le partage par rapport à la langue. Donc c'est vraiment le partage sous toutes ses formes. Ce qui nous rend fiers dans l'action du centre social de Montoire, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble et l'action des habitants de se prendre en main. Nous sommes allés vers les gens du voyage, les habitants des territoires dotés d'aires d'accueil. Et nous les avons emmenés vers les centres socioculturels, les autres équipements de quartier, de leur territoire d'habitation. Notre équipe de bénévoles qui est très, très motivée, avec des idées, des femmes lumineuses. C'est d'avoir, durant les vacances scolaires, depuis 2 ans, ouvert les locaux aux habitants. Et ainsi, les personnes qui sont isolées, qu'elles soient adhérentes ou non, peuvent se réunir et éventuellement continuer des activités le temps des vacances scolaires. Ce qui m'en fière, c'est qu'on participe à une conscientisation politique et citoyenne et qu'on va vraiment sur de l'action collective plutôt qu'individuelle. On a fêté le 100e numéro de Petit Ragonnet, qui est un journal de quartier. Et à travers ce journal qui existe depuis 34 ans, il y a des anciens et il y a des nouveaux habitants. Donc c'est un vrai reflet sociologique de l'action du centre socioculturel sur le quartier. Donc ce qui me rend fière, c'est que depuis la rentrée 2018, on a ouvert un espace famille tous les mercredis après-midi. Et c'est un succès puisque 40 familles sont déjà venues dans cet espace. Ce qui me rend fière à moi, c'est de participer au bien-être des habitants. Parce qu'un adulte qui est heureux va être heureux dans son foyer, va être heureux avec ses enfants. Ce qui me rend fière, c'est l'aide que nous pouvons apporter à un certain nombre de personnes âgées au niveau de la lutte contre l'isolement, le maintien du lien social, etc. C'est de voir la mobilisation de jeunes en difficulté, plus spécifiquement, qui s'engagent, qui prennent du temps pour faciliter, pour initier, pour créer des animations sociales. Ce qui me rend fière, c'est d'avoir des missions qui développent des projets au niveau des seniors, de la jeunesse. C'est vraiment très riche et enrichissant au niveau humainement. C'est tout ce lien social qui est créé entre les adhérents et qui perdure et qui se prolonge au-delà des murs et en dehors de la maison de quartier. Je suis surtout très fier de toute l'animation de quartier qu'on peut mener. Et de nos soirées bénévoles où on remercie chacun de son engagement, donc où on fait la fête, on boit un coup aussi, on discute, beaucoup de convivialité. Alors ce qui nous rend très fiers, c'est notre projet Philharmonie qui permet à des gamins qui n'ont pas accès du tout à la musique de se voir prêter un instrument de musique et de participer dans le cadre d'une pratique collective à un concert dans le cadre d'un orchestre.